ici devant, ce sont des héliconiens. Il y a 150 espèces d'héliconiens. Et le Kedjougou, c'est le fruit. Oui. Dont une qui s'appelle la Bihagua, qui a donné son nom au village. Vraiment, ça ce sont des fougères arborescentes, vous connaissez. On verra dans la forêt. C'est préhistorique. Oui, je les vois, ouais. Les grandes fougères. Ah, oui. On en a chez nous aussi. Peut-être pas cette parité là, mais dans les bois. Ça enregistre aussi, mais. Eh oui. Ouais. Peut-être pas parce que c'est dehors, là. Mais... C'est des Costa-Ricains qui ont ça, oui. Oui, c'est en fait une association de paysans du coin qui a commencé ça il y a plus de 15 ans. Ils ne connaissaient rien du tout en tourisme, ils ont commencé ça. Et puis petit à petit, ça c'est les deux premières, les toutes vieilles chambres. On les a aidés au départ et puis, puis bon, voilà, ils ont ajouté des chambres à l'arrière et puis ça c'est deux chambres, c'est les dernières chambres. C'est un endroit super, c'est super mal géré, ça n'a jamais fonctionné, ils gèrent super mal. Je sais pas si bon, il y a plein de... Comme c'est une association, ils sont plusieurs associés, il y en a, je pense, ceux qui travaillent, ils mettent de l'argent dans... Le fer de lance est un des serpents les plus dangereux. Jesus Christ. Alors ils l'ont mis en cage. Seulement il s'est échappé de la cage. Donc si jamais vous voyez le serpent, il vient de manger, il n'est pas du tout agressif, mais il ne faut pas courir ni rien du tout, tranquille. Ok? De toute façon, tu vas aller devant. Il a quelle couleur? Brun. Ouais, t'as vu des brun. Oh, I'm not going up there. Oh, my God. C'est très difficile de voir les serpents parce que moi avec un des guides, là, un jour il est venu avec nous et puis il a dit regarde, dans un mètre carré ici, il y a un serpent, trouve-le-moi. Daniel il nous a dit lequel, on le connaît. Hein. Il n'y a plus de tête. Et vous en verrez qui ont comme des bras. Hein. Voilà. On entend les singes. Ouh. Yvan. Ah oui, c'est génial, tu sais. Ah non, c'est vrai. Tu sais, pas ça, tout ça. Tu sais jouer au bowling. Ouais. Il commence par une fleur blanche, hein, qui colle sur le tronc. Après, ça devient le fruit, et puis maintenant, il va grossir. Et puis, il va devenir mauve. Ouais. Et c'est le fruit préféré des tapirs.
Ah bon? Dans cette forêt-ci, il y a énormément de tapis. Il y a aussi absolument tous les chats que vous pouvez imaginer. Le jaguar, le puma, le, l'oslo. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ah, pour le moment, il y a des pavas. La pava, c'est un oiseau grand comme un ça. Un dindon sauvage. Comme un dindon sauvage. Ah. Tout noir avec une crête jaune. Qu'il y en a pour le moment ici qu'on les voit dire. Comme une dinde. C'est en 10 ans qu'il a. 35 minutes. Oui, il a plus maintenant parce que c'est tu vois, là, il devient mauve déjà. Hein? Là, il devient mauve déjà. Là aussi, un peu mauve. Elles sont trop pas. Les pleurotes. Tu as vu les pleurotes? Ah oui? Oui, oui. Kiki. Oui, un champignon sur le tronc là. Ah oui. Mais là, et là c'est ils sont c'est des bêtes. Ça c'est des fourmis. J'adore être sur les hauteurs. Moi si je peux monter sur le toit de la maison, je suis contente. Ah là, j'adore ça. Moi monter c'est rien, mais c'est descendre que j'ai peur. Ah oui. Ouais. Jurassique. Bon, je vais entre vous deux. Je vais te laisser, comme ça tu pourras me filmer. Quand on arrive. Ça waggle. Qu'on va faire, mais si on va de l'autre côté du mer à Vaïès, il y en a un qui passe au-dessus de chute. Ça, c'est magnifique. Ah, ouais. Ça, c'est super. Super. Il y a des chansons de la vie. Oui. On va voir, il faut choisir. Je crois que c'est celui-là que Maria Gémon avait regardé sur votre site. Ah, mais il y en a plein partout que ça va être plein. Donc, ah, sur notre site. Ah, oui, alors c'est possible. On verra après-midi de papillon. Une libellule. Ouais, j'ai enlevé sur la feuille. Et ça, c'est les insectes qui mangent les feuilles. Où ça, elle est? Ah oui, il y en a même là. Il y en a encore là, regarde cette feuille. Attends, ici. Regarde, il y en a un là sur la feuille jaune. Tu vois? Derrière. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ah ouais. Oh, ils sont derrière. Ah oui, une libellule. Oui. Je sais pas si c'est libellule ou un insecte, mais il semble que c'est une libellule. Stick insecte, c'est quand même. Ça ressemble un peu à une montre religieuse. Ah oui, ça oui, aussi. Oui, c'est une montre religieuse. Ou quelque chose comme ça qui ressemble. C'est pas maintenu par ça pousse. Ce que vous voyez, c'est les fougères arborescentes. Ah oui. Le trail. Ça vient de la préhistoire. Il y en avait à la préhistoire. Human made. Le pont, ils vont quand même, si tu as des branches envahissantes, ils vont quand même les couper. Oui, oui. Ouais, regarde. Kennedy encore dit. T'as encore fait des bonnes branches, tu peux prendre des photos moi. Je prendrai ça. Bon, maintenant avec les appareils, il faut que ça se dise. Alors cet arbre-là, on l'appelle vulgairement l'arbre à brocoli. Oui, là, un brocoli. Ah ouais. Un platane, un genre de platane. Ouais. C'est un peu comme au Kenya, ça, hein, dominé, un arbre comme ça. Oui, il est bon, bon, c'est pas mal, hein. Oui, on est à peu près à combien c'était, hein, combien d'hauteur, combien de mètres de hauteur il avait? 35 mètres. 37 mètres, je crois. Et quand, que vous imaginez, on est à peu près au milieu de l'arbre, où il y en a encore autant en haut. Ah, ici c'est juste pour faire le tour, on va pas plus loin. Non, ça va être ah, si. Quoi? Et comment ça se fait vieux les ponts, hein? Oui, ouais, ça va. Ils remplacent les planches quand il faut. Quand vous avez été au Mexique, vous avez été dans les cénotes? Non. Oh. Non. Non, on est passé à côté, mais on n'a pas été dedans. On a été. Il y en a un du côté de Palenque, non?
Oui, on était où? Chichen Itza. Chichen Itza. On était dedans, oh, c'est génial. Là, c'est vrai que là-dedans, il doit y avoir des serpents. Puis ça glisse, on y est, en plus. Oui, oui, oui. Ça doit être pour... On servira à ça. Bon, on attend de voir si vous passez, hein, sinon... On passe pas. C'est peut-être pas moderne, peut-être que ça, il faut que ça bouge, ça ajoute à l'exposition. Ouais. On se demande, ça va craquer? Ça va pas craquer? Ils vont en premier. Est-ce que je te préfère régie ou est-ce que je vais lequel on peut se débarrasser en fait. Alors, tu sais, on a un voisin qui s'appelle Kenneth. Oui. Ouais. Yeah. La, tricot, hein. La forme. Faut quand même beaucoup pour le déraciner. Il doit avoir facilement 400 ans, 300-400 ans. Il faut beaucoup pour que ça se déracine, hein, ça. Oui. Ben à un certain moment, ah, tu es patiente. Tu es avec qui là? Ah, je comprends. Il est encore plus grand que l'autre. Hein. Oui. Allez, monte ton ventre. Comment on les appelle encore? J'ai oublié. Oui. Quand même, partir cette bestiole là.